Eh bien, salut à toutes et à tous, on est parti pour un nouvel épisode. On va parler à Monsieur Marco maintenant. J'espère que vous ça va, hein. Moi ça va bien. Ok, attends mon petit Pico, viens ici. Hein, tu es Raphaël, tu as sauvé mon Pico adoré. Nous te devons une fière chandelle. Comment? Tu veux embarquer avec moi? Mais c'est super! Alors comme ça, tu es net à destination de Miokara. Et un paquet de poussières pour vous seul. Tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer. Bien sûr que non. Quoi qu'il en soit, pas de problème, je peux t'aider. Tu as frappé la bonne porte. On met le cap sur Miokara? On met le cap ou pas? Et bien sûr que oui. Village Miokara, nous voilà. Levons donc Pico, mon chouchou. On met les voiles. Ok, hein. Lui il a pas d'amis, il a juste son Pico. l'accélération de Monsieur Marco sur ses œufs. Oula. Bip. Oh Raphaël. Tu. Où es-tu? On dirait que le vent souffle là où tu te trouves. Monsieur Rocolo m'avait parlé de ton Pokéner, alors je me suis dit que je devais t'appeler. On dirait que tu ne vas plus loin, il n'y a pas vraiment de velours là. Fais attention à toi. Clic. Ok, c'était le papounet. C'était Norman. Norman. C'était Norman fait des vidéos. Mais nous y voilà, à Miokara. Oh ouais, mon saillon. Nous sommes arrivés à Miokara. Je sais pas que tu vas aller remettre cette lettre à ce... Comment? Pierre? Village Miokara. Une petite île au cœur de la mer. Ah oui, oui, oui. Regarde-moi cette merveille. C'est un mouchoir. Hein? Mouchoir soir. Ah oui. C'est la pointe à la mode. Ok, merci mon pote. Merci mon pote. Tu as foncé la mer pour venir visiter Miokara? Oui. Oui. Petite comme... Ok. Ah oui, lui va me donner une canne. Je vais capturer un Magikarp et je vais l'entraîner. Magikarp évolue niveau 20. Et ça donne un Léviathan. Et oui les potes. J'ai même pas lu ce qu'il me disait lui. Il m'a filé la canne ou pas? Oui c'est là. Enregistré. Attends, on n'a pas de Pokémon de type O. Non. C'est quoi Select? Oh merde! Rien de rien. Hop! Ce serait quand même pas un Magikarp. Oh, Tatakou. Non, Tatakou, je prends pas. Moi. Sur poison, au poison, ça c'est bon ça. Ah, Magikarp. Magikarp femelle, joli. Mais on le prend quand même. Je lance une Pokéball directement. Car je ne pense pas qu'il tient un choc mental. Aïe. Grave erreur. Allez, Super Bowl, c'est cadeau, c'est pour moi. Putain de poisson. Chiant, lui.
Allez là. Ah oui, mais on a l'autre là, on a un gal là. Putain, mais je suis con. Oui, désolé, je suis un peu con. Je dirais même très con. Griffe. Putain, on est pas fini. Hein. Voilà. Un Pokéball, un go. Oula. Voilà, Magikarp attrapé. Ces mix ne sont pas assez puissants pour qu'ils puissent lutter contre le courant. On peut souvent voir des Magikarp là où l'eau a tendance à stagner. Non. Là, il n'y a rien. Ça, on a été, ça, non? Ah, non. Ouais, j'ai quitté Barossa pour venir... pour vivre ici avec mon mari. Ah ouais, ici, c'est la belle vie, hein. Petite musique. Imagine, tu marches dans la rue, t'as une musique. Comme ici. Quand tu rentres dans un hôpital, t'as cette musique. Eh ouais. On va falloir entraîner ce Magikarp. Qui évolue niveau 20. Oula, gros dégâts en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, ça va devenir le boss. Oh là là. Ok, j'ai pas lu. J'ai dit cette mode du ignorant collection. Mais ils ont... Allez, salut. Ah. On va assister à un combat de Magikarp. Attention. Le combat de l'année. Ah non, il a un tentacule. Il a un tentacule. Oulala. Ah oui, les poisons. Poison E. Putain. On va quand même utiliser hein, ça. Ah, bien joué ça, Masco. Excuse bidon. Ok. C'est soigné tout ça. Là, il y a une grotte. Pas trop même quand même avec la canne sur A quand ça monte. Moi je pêche partout moi, tant que j'ai des Magikarp.
Ah. Voici le combat du siècle. Ok, Magikarp utilise Tempête. Oh là là, ce combat. Allez, fini de jouer. Fini les conneries. Putain, Magikarp il est quand même rapide. Tentacool, oui. On va remettre Magikarp. Ça me rappelle le jeu dans Pokémon. Pokémon Stadium. Ouais, ouais, c'est bien ça. Pokémon Stadium sur la N64. Où il y avait le jeu de Magikarp là. Magikarp. Qui se souvient de ce jeu? Cruel. Oh shit. Putain, ce. Allez, vite. Putain, mais c'est chiant, ça. Ok. Ah. Ok, regardez-moi ça. Ce combat de psychopathe. Insecte. Ouais. Ouais, je me disais aussi. Ténèbres. Niveau 17. Non, je ne change pas. Je ne change pas. Allez, salut. Bon, il va falloir que j'entraîne mes Pokémon. Hein, parce que là, c'est plus possible. À part Masco, les autres. Pêcheur Elliot, ok. On a plus son numéro. On va aller se soigner. Et ici, il n'y a pas de boutique. Ou c'est moi qui n'ai pas vu. Regarde s'il y a une boutique. Ouais, apparemment, il n'y a pas de boutique. Et toi, fais-toi ensemble là-dedans. Ça va être difficile d'explorer ce type qui est passé tout à l'heure. Pierre, je crois que c'était ça. Et ses yeux, flash alors. Il n'a pas pu. Pas dû avoir de problème. Mais pour nous, mon rêve. CS05. Ok. Ah d'accord. Ah mais attends. Je peux peut-être pas aller dans la grotte, mais je peux m'entraîner. Les pires espèces. Monsieur Rapti.
Oh non. Code sorti. Ouais, c'est bien noir. Ah, ma cuite. Ma cuite, ok. Un choc mental. Ça donne plein d'XP, ça, non? Ma cuite, là. On verra. Oh, la puissance. Ça, c'est pas bon, ça. Ouais, 55. Ça donne pas beaucoup d'XP, hein, en fait. On va aller faire l'arène. Attendez, je vais voir si quelqu'un peut apprendre flash. C'est bon, on a un gars. Il peut la prendre, mais on pourra pas l'utiliser. Il nous faut le badge. Et oui. Ça suffit, Magikarp, reviens. Coup critique. Même sans le coup critique, je pense que ça le tue. On va se soigner et on va faire l'arène. Poète, 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 poète. Oh, c'est l'arène quoi, ça combat ça, non? Ouais, c'est bien ça. C'est le type combat. Hey, comment ça va, futur maître Raphaël? Bastien, champion de règles, de Necro et des Pokémon de type combat. Ouais, ouais, je suis. Hein. Ok, apparemment, il n'y a pas de lumière dans cette arène. Il va falloir triompher des autres dresseurs. Comme elle, par exemple. Comment tu me vois? Ok, bon. Tu ne viendras pas pleurer. Bon, pour cette arène, on a le choix. Hein. Soit on passe sur du vol, soit on passe sur du choc mental. Je pense qu'on va aller sur du choc mental. Détection. Et ben ouais, il refait évidemment. Yoga. Attends. Psy, c'est pas fort contre combat. C'est pas super efficace. Méditica et les combats, non? Peut-être avec un autre type, je ne sais plus. Hein. Putain, elle est chiant avec ça.
Ouais, j'ai perdu. Sérieuse. Ok, on a eu un peu de lumière. Un combat double. Bon ça. Un marin. Échanger cruel sur Mystica. C'est bien ça, il est combat, mais il doit avoir un autre type. Peut-être psy combat, Mystica, je ne sais plus. Hein. Il y a tellement de Pokémon que. Voilà, ça c'est super efficace. Ouais, je pouvais le tuer avec Cruel. Hein. Ok. Mettez-moi de la lumière. Je vais soigner, hein, je reviens. Karateka Man. On va monter une rondelle hein, pour le. Ah, pour Bastien, ce sera le mieux. Machoke. Voilà. Baptiste. Il s'appelle Baptiste. Ah d'accord. Tu devrais d'abord passer sur le corps. Mike Huita. On part sur un level 9 pour Magica. Cogne. Ah, ça peut toucher 5 fois ça. Regardez-moi cette chance. Moi, avec Balgren, je touche 2 fois ou 3 fois maximum. Et lui, 5 fois.
Vas-y, tu crèves aussi. Hein. Connard. Putain. Ouais, super potion. Je vais me battre les couilles. Je fais tous les combats. Inutile de déranger le bassin, je vais t'écraser moi-même. Ok, c'est ce qu'on va voir. Un Pokémon méditique. Allez, chat. Là, il fait yoga. Coup critique? Même pas, mais ça suffit. Mais il est là. Il est là, notre bastien. Je suis Bastien, champion d'Europe de Myokara. Je restais aux vagues déchaînées de la région et je me suis rendu aussi dans les cavernes obscures. Alors comme ça, tu viens me défier, voyons donc de quoi tu es capable. Ok Bastien, à nous deux. Machoke est envoyé par... Bastien, le champion. T'es niveau 16. On va se faire laminer. Frappe à trace. Conflète, oui. Carpe au niveau 10, ok. Une hirondelle au niveau 16. Non, je change pas. L'autre Pokémon, c'est un Makuhita. Ah, il fait puissance. Comme moi. Ah, lui, il a fait quoi, lui? C'était pas puissance, j'ai pas vu ce qu'il a fait, mais c'était pas puissance. Insecte, c'est efficace sur psy, enfin s'il est bien psy. Hein. Ouais. Ténèbres. Peut-être. Allez, bon. Je fais que des attaques de merde. On va aller sur Balgren. Allez, 5 fois. Et bien voilà. On va prendre compte. J'étais sûr. C'était sûr en fait. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle l'attaque qui fait là. En fait, s'il attaque pas... Ah, mais c'est Mitra point. Ah, c'est ça qui est ce qu'il a fait tout à l'heure. Ok.
qui nous a one-shot. One-shot. Putain, touché deux fois. Et ben voilà. Et la super potion, c'est offert. Passe au titre l'auberge. Heureusement qu'il nous fait que ça. Allez, touche. Ah, coup critique, enfin. Makuta, Allez, on va changer, on va faire un peu de choc mental. Essayer de lui rendre confus. Il doit être niveau 18. 17, 18. 19. Ok, d'accord. Ha ! Quoi, je suis plus rapide que lui ? Ce n'est pas très efficace. Allez, rends-le confus. Fais chier. Ok, notre dernier Pokémon. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Oh non, Bessitrus, fais chier. Coup critique encore? Ah, gonflette. Mais heureusement qu'il est con. Ah, défense aussi. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, pourquoi? C'est la mort. On n'a pas de rappel, je crois. Ok, on n'a pas de rappel. Coupe. Oh yes. Alors? Ça vous a plu? Paf! Niveau 7! Et... que un niveau. Ok. Battu par un Ingal niveau 6. Ok. J'ai envie de dire heureusement, Raphaël reçoit le badge point de la part de Bastille. Le badge point oblige tout le Pokémon jusqu'au niveau 30, même si échangé à obéir sans poser de questions. Tu pourras utiliser la CS Flash en dehors de combat. Si tu veux, tu peux utiliser cette capsule technique. Putain, mais. Va falloir prendre des cours de lecture là, monsieur. Mais monsieur, vous ne savez pas lire. C'est une technique qui permet de booster l'attaque et la défense. Ok. Ok, j'ai son numéro. On pourra faire des restos avec Bastien, le champion d'arène. Bon, compte, faudra entraîner les Pokémon, là. Mm-hmm. On va aller voir Pierre dans la grotte.
Ok, le repousse est utilisé directement. Pokémon. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Ah putain! Galekid! Bah ça il faut prendre ça. Ça il faut prendre ça, ce Galekid. Galekid, Pokémon. Ok, ouais mais je veux pas une femelle. Je veux un mâle, donc je veux le tuer celui-là. Volvi. Ouais, il est acier. Roche acier. Il s'est passé quoi là? Je regardais pas l'écran. Ouais, il devrait. Il est acier en fait. Ça dégage. Ah. Ici, il va falloir le vélo. Trouve Pokéball. Ah, là-dedans, on peut avoir Tenefix aussi, je crois. Mais bon, Tenefix, il évolue pas. Si c'est bien ici, hein, je ne sais plus. On a pu réussir à fuir. Alors, un mâle ou pas? Un mâle, ok. Attention, j'ai rien contre les femelles. Hein. D'ailleurs, mon Magikarp est femelle. On va mettre Masco. On va faire Volvi. Coup de boue. Ça baisse sa précision, ça. Ouais. Ouais, super ball directement. Pokéball, go! Excellent. Galekid, tu es à moi. Il est recouvert d'une armure en acier. Quand il évolue... Il en revient une nouvelle et abandonne l'ancienne. Celle-ci est très recherchée par l'industrie sidérurgique. Qui non. Putain, on a tellement de Pokémon à entraîner maintenant. Alors. Ouais, il est acier roche. Ok, coup de boule, coup de boule. Ah, coup de boule, pas mauvais ça. Pas mal ça. Coup de boule. Comme Zizou. Piastase. Ah, ça pour, c'est pour empêcher l'évolution d'un Pokémon. Ah, voilà le Tenefix. Tenefix de type ténèbres. Masque. Oh, j'ai un peu du mal avec les types ténèbres, spectre et psy, moi. Je sais jamais si c'est efficace ou pas. Genre insecte sur ténèbres, je sais pas.
Apparemment, c'est de la merde. Mais un peu talade, c'est... Taillade, c'est à chaque fois que tu utilises, l'attaque augmente. Putain, je me fais malmener par un téléfix. Voilà. Ah, il y a de la lumière ici. Et non, en fait je fuis. Je fuis les 9 Sphéraptis. Tellement chiant avec le ultrason. Je suis Pierre. Je m'adresse aux pierres rares. Alors, je vais ici et là. Oh, c'est une lettre pour moi? Ok, merci. Tu as fait tout ça rien que pour me la remettre. Il faut que je te remercie. Laisse-moi voir. Je vais te donner cette cité. Elle contient ma cause. Elle d'acier. Pas mal ça. Elle d'acier. Ok, j'enregistre le numéro. Maintenant, il faut que je me dépêche. Ok, et il y a quoi comme Pokémon ici? Makuta. Niveau 6. Je fuis. On te veut pas, toi, là. Fais chier. Bon, niveau 9. Niveau 9, ça se tue, ça. Ça se tue. Ok, une rondelle. On va lui mettre un cruel. Quand je suis cruel. Voilà, on a notre team au complet. Je vais aller voir là-haut. Je suis Zadia. Non, en fait non. Ouais, je sais. Câbling, ok. Allez, salut! On va aller où déjà là? Pauvre sel? Ouais, pauvre sel. On lève l'Empico, on embarque mon chou. Pauvre sel, nous voilà! Saillon, nous sommes arrivés à Poivre-Sel. Vas-tu aller voir le capitaine Poop et lui remettre le pack devant?
Je ne sais pas, monsieur. On va faire des combats, c'est sûr. Il faut du temps pour construire notre château de sable. Tu peux prendre ça ? Sable doux. Sable doux. Ça se vend, ça, non ? Pas du tout. On va te donner à Galekid. Pour sortir rapidement. Les attaques de type normal. On pourrait le donner à type normal, Magica. Même s'il n'a pas d'attaque. Ha! J'ai juste des langues dans tous les ports du monde. Mais c'est pauvre seul que je préfère. Ok. C'est pour ça que t'es là alors. Goélise. Type vol haut. Bah, l'hirondelle. Oulala! Il est complètement malade. Le coup critique. Vous pensez qu'il peut me tuer là, 14 PV? On va voir. C'est bon, on l'a tué. Il n'y a pas meilleur que toi. Tu l'as dit. Il y a trop de combats là à l'horizon. Je suis sûr que je pourrais aller prendre un soda cool à la maison du bord de mer. Un soda cool. Putain, je pensais que c'était une fille. Zigzaton, niveau 13. Pokémon Zigzaton, niveau 13. On va envoyer Tarsal. Surf. D'accord. Le mec à surf. Allez, ça devient confus. Il devient dingue. L'animation de surf stylée. Hein. J'adore. Allez, frappe-toi. On se rendra encore dès que j'aurai plus soif. Putain. Mais c'est Rachid. Combat ardent sur sable ardent. Ici se trouve le repère de dresseur ardent. Yo dresseur plus fort que mon papa, tu trouveras pas. Ça n'existe pas. Ah ouais, petite fille. T'aurais pas dû dire ça. Je vais le bousiller. Je ne peux pas le faire. Ok. Ah, poissy, Irène. Sirène, ça part sur du masco, ça. Puissance de type feu.
Ça dégage. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Oula! Regardez-moi ça. Je n'avais même pas vu. Je n'avais pas vu dans ce coin. Simon. Mais Simon? Qu'est-ce que tu fais là, Simon? Masco. Il n'est pas de type O Azumarill. Putain, mais je ne suis plus à jour. Monsieur Pokémon. Il est type quoi Azumarill? Type normal? Par contre Marill est type O. Bien sûr. Putain, mais touche trois fois. Ok, d'accord. Si tu chasses un combat en haute mer, je suis ton homme, le meilleur de tout, petit matelot. Ok, marin. À nous deux, marin Harold. Go, Elise. On va envoyer... Masco. Attention, Go, Elise de type vol. Oh merde, je suis con. Type vol et j'envoie Masco. Malgré. Voilà, il était temps. On va changer. Pour avoir un peu d'XP. Cruel. Ouh. Machoc. On va laisser une hirondelle. C'était un beau combat, j'obsède la défaite, mon pote. Ok, on va aller voir le papa de l'autre là. Ça doit être lui ça. Bah ouais, ce stage du combat qui tue. Ces combats étaient incroyables. J'en ai eu pour mon argent. Pour te remercier de m'avoir offert un tel spectacle, je vais t'offrir ça. Une demi-douzaine de bouteilles de soda cool. Ok. Ça redonne 80 PV, ça, hein? 60. 60 PV. Ouais. Et ça. Putain, je l'ai soigné, mais... Pourquoi? Je sais pas. Ah, une Pokéball. Ah, il y a des dresseuses, là. Dresseurs, dresseuses. Dresseuse. Ne trouves-tu pas
caparaçon ressemble à une flèche géante. Oui. Ma bouée toute ronde. Combat double. Oh, Jeanne. Qui s'appelle Jeanne ici? Allez, on va faire tempête. Un peu de tempête. Hein. Voilà, l'attaque tempête est lancée. Mais rien ne se passe. Magikarp le tank. Pas du tout. Magikarp qui utilise tempête, mais rien ne se passe. Tempête de la part de Azumarill. Oh là là, le combat s'intensifie. D'attaque au niveau 20, ça va changer ça quand on sera un gros Léviathan. Azuril. Toujours et encore. Tempête, mais rien ne se passe. Et paf! Il était temps. Maman, oh non, c'est trop dommage. Ah non, il s'est endormi. Je suis là tous les jours. Oh mais en fait, c'était pas la peine. Je trouve une potion. Quoi, c'est un Zigzaton? Zig. Pas ici, l'eau est propre. Mais j'ai déjà vu mon Zigzaton revenir avec des détritus. Le pays se transforme en pluie et rejoint la rivière dont on boit l'eau. Si on peut la mer, ça finira par nous retomber dessus. Et bien sûr, écoutez les enfants, écoutez ce vieil homme. Ne polluez pas la mer, hein. Allô? C'est bien Raphaël? Ici Roxane de Méroville. J'ai appelé que Bastien. J'ai appris de Bastien que tu progresses très rapidement en tant que dresseur. Moi, je ferais mieux d'oublier que tu... Hein? Je ferais mieux d'oublier que tu m'as battu. De nouveau. J'espère te voir bientôt. Ok. Ok, j'enregistre le numéro. Bon, pour contre, Bastien, on l'a battu avec un Naga niveau 6. Hein? Oui, c'est qui, Sangoku? La lumière du fort se voit à des kilomètres à la ronde. Je me demande si ça n'effraie pas les Pokémon de la mer. Oui, peut-être. Bon, le centre Pokémon est où? Ouh là là! Une réunion. Une réunion de la team Aqua. On va se soigner. À une prochaine fois, peut-être. Oh
Ah, ici c'est le marché. Si un Pokémon sauvage est blessé, il se sent en mangeant des baies. Tu le savais? Bah oui. C'est une peau poudre. Ok, on peut faire de la poudre de bille, hein, je sais pas quoi. Tu connais cette force cachée? Oui. Force cachée, c'est par exemple, tu apprends force cachée à un alligator, l'attaque peut être électrique, feu, tu sais bien ça, hein, si je me rappelle bien. Fais ces achats là où l'on peut sentir la sauce de l'océan. On peut penser à un lieu si merveilleux. Par contre, il n'y a pas de vendeur là. Je suis le maître de la forme. Ah, lui, il nous vend. Ouais, c'est bien ça, la protéine et tout. Ça, c'est bien ça. Mais c'est cher. Et elle va nous vendre des attaques plus. Ah ouais? Et mon masque. T'en dis quoi de mon masque, madame? Ah, d'accord. Ok. Hirondelle, peut-être? Putain, fait chier. Hein. Sérieuse? Bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Acheter. Poupée. Ah oui, ça c'est pour les bases secrètes. 3000. Non, ça va. Ça va, madame. À chaque fois que je viens ici, je me... Ah oui, c'est trop cher ici. La vie est chère dans Pokémon. Ça c'est quoi? Pour tous les fans de Pokémon. Non. Tente de combattre ça pour le meilleur Pokémon. Je voudrais trouver une place pour entraîner mes Pokémon. Ok, là ici on peut, hein. Ici il y a des Dynavol, Posipi là. Je me rappelle de ça aussi. Mediana niveau 12, on peut s'entraîner ici, hein. Pokémon. Et la charge. Jean, charge, c'est une attaque dévastatrice. Lui, il va monter niveau 18. Je sais plus quel niveau il évolue, lui. Peut-être niveau 18, non? On verra. Peut-être niveau 20 quelque chose aussi. Posipi. Ok, Posipi de type électrique. De type électrique, donc on va mettre Galekid. Ça suffit, Magikarp. Galekid, je te choisis. Coup de boue. Coup de boue, c'est juste pour baisser. Oh merde, c'est juste pour baisser la précision. Coup de boue, ça fait pas de dégâts, non? Pour la peine, on va faire coup de boule. Putain, mais c'est Posipi. C'est con, lui. On va le tuer comme ça. Hein. Et à un moment donné, il va avoir un coup critique. Paf. Ah, il n'a même pas d'attaque électrique. Pour
premier combat de Galekid. Oh là, ça fait 1h05 là, la vidéo. Vous savez quoi les potes, on va s'arrêter là. Je vais entraîner mes Pokémon et je vais les entraîner en off. Et à la prochaine fois, je vais essayer de les monter niveau 20. Tous. Bon bah à la prochaine les potes, restez comme vous êtes super. Salut à tous. Ciao. Et n'oubliez pas le pouce. Salut.